C'est un match de rugby très attendu que nous nous apprêtons à voir ce soir entre les formations de Carcassonne et du Connac. Au commentaire, je suis en compagnie de Thomas Lombard. Thomas, bonsoir. Le coup de sifflet de l'arbitre va bientôt lancer cette rencontre. Un coup d'envoi très haut qui devrait permettre à son équipe de se placer en dessous. Bonne défense. Elle est dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Magnifique plaquage. Addison qui est pris par Bellam. Elle est dispo. Libération. Chauveau. Passe la balle pendant le plaquage. Rob qui vient au soutien. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Ça décide de jouer côté gauche. Un beau décalage sur le côté. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce ballon moment dispo. Précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Barit fait circuler le ballon sur l'extérieur pour Addison. Plaquage trop mou pour arrêter Addison. Elle Chauveau est dispo. Il prend son temps pour cette libération. Quelle défense de Buckley. Quel essai. Et ce sera donc la tentative de transformation de la part de l'Escalmel. Et ça rentre! Renault qui gagne ce contest aérien. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Bien plaqué. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Qui devrait sortir. Avantage. Ils ont un avantage sur cette action. Il fait une passe. Ah, la passe ratée. Bord de vie. Transmet à son coéquipier. L'avantage est terminé. Soutien. Elle est dispo. Il y a une faute, mais on va jouer l'avantage. Et il parvient à libérer malgré. Bissuel. Avantage terminé. Il y a un décalage. O'Brien tente d'arrêter. Brana, mais il échoue. Ballon dispo. Ballon, on est sur l'avantage. La passe. Tentative de plaquage. Avantage la belle terminé. Course de Addison qui s'arrache pour planter cet essai. Transformation à suivre. Transformation. Qui ajoute 2 points au score de Carcassonne. Lazzarotto à la réception. Lazzarotto mis au sol. Ballon Chauveau dispo. Attend que ce ballon sorte du ruck. Barrett bien pris. Roido qui vient dispo. Mettre les mains dans le ruck. Ça décide de jouer côté droit. La balle circule bien. Ballon libéré malgré le plaquage. Gimeno qui se fait plaquer pour elle libérer dispo. Ce ballon. Avantage. Avantage annoncé par l'arbitre. Retour ce sera donc à la une faute. Touche pour l'équipe du Connac. Les deux équipes se mettent en place sur cette touche à 5. Coste s'empare du ballon sur cette touche. Passe mal ajustée. L'Escalmel parvient à libérer la balle malgré le plaquage de l'Escalmel. Elle va venir libérer ce ballon maintenant. Lancement de la ligne offensive côté gauche. Faut aller au large. C'est le plaquage dont vous avez besoin pour ne pas prendre l'eau. Elle est Chauveau dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Passe.
Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Ballon dispo. Va être libéré par Chauveau. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Passe mal ajustée de Gimeno. Pas d'avantage, on revient à la faute. C'est frappé. Et c'est dedans. Réception propre du ballon. Dean qui s'échappe, qui s'arrache et qui sprint. Ballon. On n'attend plus que la sortie du ballon. Il la joue à la main, vers la gauche. Coste avec Bordevie. Rob plaque Lazzarotto. Elle est dispo. Il choisit le pied. Billy qui capte ce ballon aérien. Il y a de l'espace sur l'extérieur. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Ballon extrait. Il a pris l'intervalle, il y va tout seul. Il a pris beaucoup de soutien. Elle est Chauveau, dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Ballon dispo. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Ça peut aller au bout avec cette belle course de Adeoloku. Elle est dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Marmion rattrapé par. Nous entrons dans les dernières ballon minutes. Dispo. Côté gauche, Brown. L'avantage est terminé. Ballon dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Il met. Et voilà le premier essai. C'est maintenant à la 40e minute de jeu. Pour transformer l'essai, place au botteur, Carty. Et c'est passé entre les perches. Et c'est la mi-temps. Et le match peut reprendre. Encore 40 minutes pour savoir qui de Carcassonne ou Connacht va remporter cette rencontre. Un ballon qui a du mal à sortir. Il y a un avantage en cours pour Connacht. Bien défendu de la part de Hinan. Un joueur de plus dans le ruck. Ballon Chauveau dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Fin de l'avantage. Transmission de la balle. Le plaquage de Hinan. Il ne parvient pas à arrêter Addison. La course est à l'extérieur. Bien plaqué par Buckley. Elle est Chauveau dispo. Attend que ce ballon sorte du ruck. L'escalmel. La passe. Il accélère le long de la touche. Ça va être un contest. L'escalmel qui vient poser la main sur ce ballon. Passe manquée. Un jeu. Et le ballon va sortir en touche. Les deux équipes bien en place pour cette touche à 7. Après cette touche, le ballon est toujours D-Lane. Et les soutiens qui arrivent rapidement autour du porteur de balle. Allez, un de plus dans ce maul. Du renfort sur ce maul avec, il faut du soutien sur ce maul. Le pack de Connacht est mis en échec sur cette poussée de la défense de Carcassonne. Elle est dispo. Ce ballon, McCartney. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Ballon plaquage dispo. Bien exécuté, rien à dire. Bien capté, Carty. Carty mis au sol par Gimeno. Ballon dispo. Va être libéré par Chauveau. Chauveau qui donne à Ghost. Il se remet sur ses appuis pour contester ballon le ballon. Dispo. Et c'est joué au pied par Tuilag. Et on va donc assister à une touche du Connacht. Touche à 7 joueurs pour Connacht.
bien capté par Brown. Il a été bon sur ce duel. McCartney, plaqué. Et il va donc trouver une touche. Nous allons donc partir pour une remise en jeu à 5 de Connacht à la 59e minute. Brown lance et c'est bord de vie. Il y a du soutien avec McCartney. Il apporte du soutien. Du soutien pour ce ballon porté. Et c'est bien défendu par Carcassonne. Beau plaquage. On n'attend plus que la sortie du ballon. Coste à droite vers Tuilagi. Magnifique plaquage de Brown. Elle est dispo. C'est un jeu au pied de pression. Healy qui déchire le rideau adverse. Ballon dispo. Qui devrait sortir le jeu de passe. Il fait circuler le ballon. Dean passe au contact pour Bissuel. Ruck pour Carcassonne. Elle est dispo. Chauveau pour une passe côté gauche. Tentative de plaquage ratée. C'est un plaquage. Attention, ça va être un ruck. Elle est dispo. Chauveau qui joue ce ballon à droite vers l'Escalmel. Il transmet son ballon. Bien plaqué. Le soutien est là avec la percussion de Dawai. Chauveau tente un coup de pied tactique pour faire avancer Carcassonne. Il est arrêté. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Il passe le ballon à gauche pour Gimeno. Buckley rate son plaquage. Beau plaquage de Oursake. Ballon dispo. Bissuel. Il est arrêté. Ballon bien capté. C'est un plaquage. Un ruck à disputer. Elle est Chauveau dispo. Qui prend son temps pour cette libération. Le ballon est transmis. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Addison. Addison qui... Et on entre maintenant dans les dernières minutes du match. Brown qui vient dans ce ruck pour batailler. Et c'est terminé. Coup de sifflet final. Et c'est une victoire de Carcassonne. Belle victoire de l'équipe de Carcassonne. Ah, il y avait beaucoup d'animation sur le terrain ce soir. En effet, s'impose au final avec un écart maîtrisé, 17 à 7. Eh bien, nous nous sommes régalés ce soir. Merci à tous, surtout merci à vous Thomas Lombard d'avoir vécu ce moment à mes côtés. Merci à vous aussi et à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.